Coucou mes petits loulous, je viens ouvrir avec vous donc un petit courrier qui me vient de Natacha. Donc je pense que c'est pour le concours des 1000 abonnés Instagram. Voilà, donc on va découvrir cela ensemble. Je suis pressée. J'essaie toujours de faire du coup la vidéo de suite parce que je suis tellement impatiente de découvrir vos créations. Ah, elle est très jolie. Malheureusement, là, j'ai l'enveloppe, elle a collé un petit peu. Je sais pas ce que c'est comme matière que tu as mis. Et du coup, c'est venu un peu se coller l'enveloppe. Donc, il y a un peu de papier blanc, mais bon, voilà, c'est pas très très grave. En tout cas, elle est très très jolie. Ouais, c'est marrant cette matière parce que c'est tout. C'est un peu mou. Et c'est marrant, enfin j'aime bien. Alors, elle est très belle ta découpe là. Happy Halloween, elle est magnifique avec les petites araignées. Donc là, elle est venue mettre des petites feuilles dans du papier très sympa. Ça fait vraiment effet comme des vraies feuilles quoi. C'est très très fin. Donc là, on a un petit fantôme, un petit fond patouille avec donc un peu de papier doré, des petits yeux. J'adore ces petits yeux. C'est trop mignon. Hi. Très sympa. Happy Halloween, j'adore. Alors là, on a notre petit mot. Ah, oh, merci beaucoup. Alors, je vous mettrai son Instagram parce que du coup, elle a Instagram. Ah, c'est trop mignon. Merci beaucoup, Natacha. C'est trop sympa. Tu me diras ce que c'est ça parce que ça m'intrigue. Et en même temps, c'est super sympa. J'aime bien. Trop marrant. Ça fait un peu la matière de la pâte à fixe. Et en même temps, on voit bien que c'est sec, quoi. Enfin, que c'est trop marrant. Regardez-moi cette jolie carte. Voilà, donc c'est pour le concours des 1000 abonnés. Donc tu es la quatrième participante. Voilà, donc je vais t'inscrire sur mon petit calepin. Voilà, donc vous avez, je vous rappelle, jusqu'à la première semaine de novembre. Je ferai ça, voilà. À la fin de la première semaine de novembre, voilà, donc je vous laisse un peu le temps parce que là je sais que pas mal de gens ont des échanges et tout, donc voilà, ça vous laisse encore 2 bonnes semaines, voilà, si vous voulez participer, et donc après je procéderai au tirage au sort. Voilà, donc Natacha, je te fais un gros bisou, merci beaucoup pour d'avoir pris le temps en tous les cas de participer à mon concours. Je te fais de gros bisous. Ensuite, j'avais ce colis-là, donc qui vient d'Estelle. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Il n'est pas du tout ouvert. J'ai juste enlevé donc là où il y avait nos adresses. Donc, franchement, j'ai vu les colis. J'ai dit non mais les filles, vous êtes fous, vous êtes folles. Faut pas. J'ai dit un petit truc. Qu'est-ce que vous m'envoyez là? Oh, je suis pressée du coup. Alors, en tout cas, c'est bien emballé. Ah, c'est des glaces! Pêche Melba, c'est bon ça! Alors, c'est bien emballé, hein. J'ai pas envie d'abîmer en même temps, donc. Oh! C'est trop joli! Oh, c'est trop mignon, j'adore. Ah, j'aime trop. Regardez. Il y a plein de petits confettis et en dessous, elle a mis des serviettes. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Regardez, petites serviettes Halloween, elles sont trop belles. Oh, mais je ne vais pas vouloir m'en servir. Ah, oh, c'est trop sympa avec les petits confettis comme ça. T'as dû te prendre la tête là pour faire tout ça. Oh merci, c'est trop joli, j'adore la présentation. Oh, c'est magnifique. Regardez. Avec le petit ruban raffia là. C'est trop joli. Bouh, avec le petit sticker. Bon alors, est-ce que je vais réussir sans refaire un nœud? Je pense à toi, Damien, à chaque fois, parce que moi aussi, dès qu'il y a des nœuds. Et ben voilà. Dès qu'il y a des nœuds, je refais un nœud. Bon, on va essayer de l'enlever comme ça parce que je ne veux pas abîmer en même temps. Je voudrais garder tout. Il y a plein de petits confettis, je vais tout garder. J'aime trop, c'est trop mignon.
Ah bah ça va me faire des... Là, vous êtes, vous me gâtez, vous me faites des souvenirs de fou. J'adore vraiment. Oh, merci. Waouh. Oh là là, oh là là, oh là là. Je sens savoir ce que c'est. Vous savez, les Américaines, elles font beaucoup ça. Des petits livrets d'embellissement. Oh là là, ouh là là. Bon alors, je pense que c'est la petite carte. Regardez-moi cette carte. Elle est trop jolie. Avec le papier comme ça. Je crois que j'ai du papier un peu comme ça, action. D'ailleurs, je ne l'utilise jamais parce que je ne sais pas trop comment m'en servir. Mais ça va être très joli. Donc avec un petit Happy Halloween, un petit sticker. Donc elle est venue faire des ronds avec plein de petits trous. C'est trop joli. Oh, mon petit grand mot. Ouais, donc c'est Estelle, on avait déjà fait un échange ensemble. Merci beaucoup, c'est trop joli. Je sens que ça bouffe. Bouf, j'ai les poils qui s'irrissent, là, je sais pas si vous voyez, mais pouf. Donc là, elle est venue faire une petite enveloppe avec marqué donc Black Widow God, Gob Web Stow. Donc ça fait, elle a fait donc une petite, petite fermeture comme ceci pour fermer son enveloppe avec plein de petites araignées. Ouh, il a un sticker araignée, trop joli. Elle a repris aussi mon tuto. C'est trop mignon, j'adore. Oh, et elle est venue faire ses petites AT stamps. Trop jolies. Elles sont trop belles. Limite, franchement, je pense que je préfère les AT stamps du coup que les ATC. Halloween, 19 octobre 2020. Donc sur Instagram, elle est à stl.création. Je vous mettrai sa chaîne. On avait fait un échange sur le thème des tropiques. Et j'avais fait du coup mon deuxième bébé junk. Non, c'était mon premier d'ailleurs, parce que du coup le deuxième c'était pour Christelle. C'était sur le thème de l'Afrique, mais Estelle c'était mon tout premier junk bébé sur le thème des tropiques. J'avais adoré. Bon, j'en mettrai après parce que je galère. C'est trop joli. Ouais, du coup je pense que je préfère vraiment les AT stems parce que c'est plus petit, c'est trop mignon. C'est vraiment trop trop joli. Avec des petits stickers, vous voyez. Donc le squelette, la petite citrouille et les araignées. Et là, donc les petites araignées, la petite chauve. J'adore. C'est trop mignon. Merci beaucoup Estelle, ça me fait trop plaisir. Et là, nous avons un superbe album avec des têtes de mort. Des crânes. Ouais, c'est ça, hein. Je sais que c'est ça. Vous voyez. Donc avec marqué « Bou ». Du petit. C'est du washi ça? Ouais, j'ai l'impression que c'est du washi. Happy Halloween, la petite araignée, le petit crâne en mousse. J'adore. Ouais, je crois que c'est ça, c'est les albums embellishment. C'est trop beau, j'adore. Je voulais en faire un, mais j'ai pas eu le temps encore d'en faire. Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est trop beau. J'adore. 31 octobre, midnight, witches, soirée, Halloween. Oh, 1000 abonnés, merci. En plus, oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop beau, mais trop beau. Bon, attendez, boufou, je veux pas trop vite. Donc là, elle a fait une petite pochette avec un tag, super tag. Bah, tu dis dans ta lettre que t'as pas beaucoup de trucs Halloween, excuse-moi, hein, quand même. Hein. En plus, c'est vraiment, mais oh, trop trop beau. Ah, ça, je pense que ça a dû se faire la malle. Hop. Voilà, donc là elle a mis un petit œillet, donc avec un petit ruban, un petit papier de fond avec des petits pois. Là, donc elle est venue mettre, c'est les étiquettes, vous savez, des potions là, arsenic, poison, do not drink, happy Halloween, la petite, le petit flacon, donc de poison, les petites araignées. Oh là là, il est trop beau ton tag. Oh là, t'es ouf, franchement, je surkiffe. Oh là là. Pff. J'ai jamais essayé de faire ça et franchement, je voulais en faire un. Il faut que je me tente. Faut que je m'y mette. Oh là là, c'est trop. Oh là là là. Oh là là, j'adore. Donc là, une ATC. Scary. Oh, elle est trop belle. ATC Halloween, 18 octobre, la 2 sur 2.
Elle est trop belle cette ATC. Waouh. Ça, c'est vrai que c'est bien là, les petits coins comme ça. C'est magnifique. J'adore. Il est très beau ce papier. Enfin, ces papiers, ils sont magnifiques. Là, on a là, une super jolie maison. Ah, elle a fait un petit paper. Oh, tu es trop mignon! Une petite barrette, regardez, avec la petite lune et la chauve-souris. C'est trop mignon, ça fait. Vous avez les petites barrettes comme ceci? Ah ouais, c'est pas mal ça comme idée. En plus, c'est bien parce que c'est plat, ça peut. Et là, elle a mis un petit tag. Witch Brew. Oh là là, c'est trop beau. Regardez-moi ce papier de fond. Il est magnifique. Oh là là, bah alors ça, je sens que ça va trôner sur mon bureau. Oh, c'est trop beau. Et là, elle m'a mis plein de petits stickers. C'est stickers, hein? C'est trop beau. Regardez. Des stickers, du coup on peut les colorier, ils sont à coloriser. Oh là là, c'est génial. Les beaux, celui-là, regardez la petite sorcière. Oh, le chaton, il est trop mignon. Ah, ils sont super sympas. La petite momie, elle est trop belle aussi. Ah, c'est génial ça. Merci beaucoup, j'adore. Je vais le remettre. Non, je vais le remettre maintenant. Comme ça, je vais remettre la petite. Alors là, j'en ai des frissons. Vraiment, c'est trop, trop beau. C'est magnifique. Oh là là, t'es folle! Déjà, ton premier envoi était juste ce qu'on avait fait là. J'avais adoré ta Lodide. Oh là là, mais elle était tellement belle. Des trop bonnes idées. Oh, tu m'as trop gâtée. Oh, petite sorcière en feutrine. Toujours le beau papier, donc ça doit être la suite là, de la maison avec l'arbre. Wow, une mémoire d'ex-Halloween. C'est ma première. Waouh. Donc là, elle a fait du serviettage. Waouh, trop beau. Avec le petit bout, le petit fantôme. Ça, c'est tout en feutrine. Le chapeau et la chauve-souris. Le petit chat pailleté en mousse. C'est trop beau, alors, Estelle. Dans le scrap, j'aime tous les styles. J'utilise beaucoup les fleurs, les papillons, le doré, le masking tape. Je ne suis pas fan de Disney et de licorne. Bon, moi j'adore Disney, les licornes, c'est pas que je suis spécialement fan, mais comme ma soeur adore, je fais beaucoup de créa sur du coup les licornes. Ouh là là! C'est trop beau, merci Estelle. Oh, c'est trop. Oh là là, vraiment, je m'attendais pas. En plus, tu me l'as pas dit, je crois. Hein. Oh, j'adore. Donc, elle est venue faire un petit paperclip. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. J'aime trop. Pouf. Attendez, je crois qu'il y a un truc là-dedans. Non? Non, y a rien. C'est juste pour tenir le. Je veux pas abîmer. Oh là là, ce papier avec les petits chats là. Ah, ça devait être tenu de l'autre côté. Ah oui, bah voilà, ça tenait de l'autre côté. Une autre petite ATC. Happy Halloween. Donc là, pareil, elle est venue faire le serviettage. Donc je pense que c'est les serviettes que tu as mis au fond. Là, pareil, petite serviette avec les petits stickers. Happy Halloween, c'est trop beau. Donc là, une sur deux. Halloween. Oh, là, t'as mis dans une petite pochette. Elles sont mignonnes, ces petites pochettes là. Pile poil la taille. C'est just ouf. Et là, un gros paperclip. Il est mignon celui-là, ce petit squelette. Il est trop sympa. Oh! Pareil, serviettage, du masking tape. Et là, elle est venue mettre des petites. Donc des petits crânes en mousse. Je ne vais pas les ouvrir. Voilà, c'est des petits crânes en mousse. Hop, je ne veux pas abîmer. Et là, elle est venue faire garder une petite pochette. Ah, il y a encore quelque chose qui se cache. Ah, des petits chats noirs. Plein de petits chats noirs, regardez. Trop mignon. Oh là 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 là, j'adore.
Donc là, ce que je disais, elle est venue faire une petite pochette, donc plus épaisse, vous voyez, pour pouvoir glisser les petits trucs. Oh là là, mais j'adore, vraiment, c'est trop, trop beau. Et là, donc elle m'a mis, pareil, c'est des stickers. Ouais, c'est des stickers. Sont trop beaux. Je crois que c'est toi qui les as fait, je pense. T'as dû les imprimer. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Petite citrouille, chauve-souris, Happy Halloween. Halloween avec donc la lune et la chauve-souris, le petit fantôme, Trick or Treat. Elle est sympa cette citrouille style épouvantail. Là, plein de petites citrouilles. Une autre citrouille. Bouh. C'est trop magnifique. Oh là là, je reviens pas. Franchement, j'arrive. Je vais pas m'en remettre, je crois. C'est trop beau. Ah ouais, non, vraiment, je continue dans Halloween. Hein, parce que c'est. Elle me dit que c'est son deuxième échange. Parce que c'est juste ouf. C'est trop, trop beau. C'est. J'ai pas de mots. Vraiment, ça me touche énormément, Estelle. C'est vraiment magnifique. En plus, je t'ai dit, ce petit livret, genre embellishment, ça me parle parce que je vois beaucoup. Donc, toutes les Américaines, elles font ça. Et j'aime énormément. Donc, je voulais en faire un, justement. Donc, vraiment, ça me. Oh là 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 là, c'est ouf. Regardez-moi ce travail en plus, c'est magnifique. Ah vraiment, tu m'as vraiment beaucoup touchée là parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Ah ouais, non, franchement, c'est trop beau. Tu as dû prendre beaucoup de temps pour faire ça. J'espère que tu t'es amusée dans ce thème. Mais en tous les cas, le résultat est juste magnifique. Enfin, c'est. Waouh! Merci beaucoup, beaucoup Estelle, ça me touche énormément, c'est trop joli. Waouh! Magnifique. Merci ma petite Estelle. Oh, ça va trôner sur mon bureau, c'est juste trop, trop beau. Donc, et la présentation, t'as cartonné, franchement. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous présente, donc c'est un colis également de Amandine. Alors malheureusement, je pensais que c'était un colis que j'attendais et moi, pressée comme je suis, j'ai pas regardé le nom, genre j'ai ouvert comme une sangouin. Et donc j'ai juste ouvert et quand j'ai vu, j'ai aperçu des trucs, j'ai fait « Ah, je pense pas que c'est ma commande », donc j'ai pas ouvert. J'ai juste ouvert du coup le carton et voilà, donc je n'ai pas été fouillée à l'intérieur. Oh, regardez. Oh, regardez, il y a plein de choses. Ouh, qu'est-ce que tu m'as mis? T'es folle? Mais t'es folle? Tu m'as mis plein de décors Halloween? Oh, mais j'adore! Mais t'es folle! Oh là 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 là! Qu'est-ce que t'as fait? Elle m'a mis plein de. Ah, c'est mou! Qu'est-ce que c'est? Ça se mange ou ça se mange pas? La fille qui pense qu'à manger. Non, je ne pense pas que ça se mange. Des petits yeux. Ah, ça doit se coller. Ça doit se coller. Oh, c'est trop mignon. Ah, mais t'es folle d'avoir mis plein de déco. Oh là là. Merci beaucoup. Je pense que je vais faire du coup un truc avec. Hein, on va se faire un petit tuto. Oh, des araignées, j'adore. On n'a jamais assez d'araignées du coup. Hein. Parce que moi, quand on utilise du coup beaucoup. Ah, en bague. Enfin, genre, on peut les accrocher. Regardez-moi ça, elle m'a mis plein d'araignées. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. Des petites, des grandes. Ah, elle est belle, celle-là, aussi transparente, là, comme ça. Transparente. Celles-ci, elles sont sympas parce que du coup, on peut accrocher. Genre, faire un flacon. Ouais, j'ai plein. Ça y est, j'ai des idées qui fusent. Elle m'a mis donc un petit crâne comme ceci. Trop sympa. Regardez, plein de petits yeux, un gros œil comme ceci. Attendez, ça s'ouvre ou ça s'ouvre pas? J'ai l'impression que ça s'ouvre. Ah oui, ça s'ouvre.
Ah, et du coup, ça doit aller sûrement là-dedans, non? Les petits. Non, tu me diras, je sais pas. Waouh! Et une seringue. Ouhou. Et oui, on peut faire plein de choses avec les seringues vides. Ça tombe bien parce que j'en ai plus. Et là, donc, on a le petit squelette pendu. Oh, il est trop sympa celui-là. Il va finir découpé peut-être. Non, je vais le laisser accrocher dans ma salle de scrap. Oh, il est trop beau. Merci, mais fallait pas. Alors, là, il y a un petit mot. Oh, elle n'a pas eu le temps de faire deux cartes, mais déjà, t'es folle, regarde tout ce que tu m'as mis. Oh, merci Amandine. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pas eu le temps de faire deux cartes, mais il y a eu le temps de faire des craies. Waouh. Oh, mais t'es folle, regarde, c'est trop joli. Oh, oulala, oulala. Attendez, on va déjà regarder ça. Donc, ça fait genre comme un dessous de plat. Et elle est venue faire un super joli décor, donc avec petite maison, donc les petites citrouilles, un petit réverbère, la sorcière, l'araignée, là une toile d'araignée orange en relief, un petit strass avec marqué 31, une petite étiquette, société coopérative, pharmacie populaire avec donc un petit crâne. Oh! C'est trop beau. Oh, mais t'es folle. Oh, mais je vais l'accrocher, hein. Pareil dans ma salle, c'est trop beau. J'aime trop. En plus, t'as utilisé les découpes que je t'ai envoyées. Pourquoi tu les as pas gardées? Oh là là, c'est trop magnifique. Oh, merci beaucoup, Amandine. Ça me touche beaucoup. Franchement, je vais l'accrocher, hein. Je sais pas comment. Je vais peut-être le poser sur un présentoir. Parce que je veux pas faire de trous. Je veux pas l'abîmer. Donc, elle a mis une espèce de base grise. Super jolie. C'est trop, trop beau. Oh, merci. Oh là là. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Ça fait genre des petites ATC. C'est trop magnifique, ça. C'est en. Je sais pas en quoi c'est. Regardez-moi cette citrouille, comme elle est belle. Elle est tout en relief dur. Je sais pas ce que c'est comme matière. Je sais pas où c'est que tu as eu ça. C'est trop beau. Avec un petit fil de fer donc pour faire le zigouigoui des citrouilles là. Elle a mis donc un petit ruban, des petits strass, Happy Halloween en relief là aussi. Ah mais c'est trop beau. Donc, je pense que c'est la taille des ATC, t'as rien noté derrière, mais je pense que c'est une ATC. Oh, c'est trop trop beau. Ça, je sais pas où c'est que t'as eu ça, mais vraiment c'est magnifique. Waouh. Merci, mais vraiment, il fallait. Oula, elle est trop belle, celle-là aussi. Oh, mais c'est la même matière que ça, mais c'est trop beau. Oh, mais regardez-moi ce corbeau. Comme il est magnifique. On dirait un vrai. Avec marqué Untied. Waouh. Ah ouais. C'est trop magnifique. J'adore. Au toucher, c'est alors tu me diras vraiment parce que ça m'intéresse beaucoup. Ça, c'est super joli. C'est de la même matière. Regardez-moi ça, c'est pas trop joli. Oh, mais t'es folle, t'es complètement folle. Bah écoute, Amandine, merci beaucoup. Je m'attendais pas à tout ça. T'as pas eu le temps de faire deux cartes? Bah, si, t'as eu le temps de faire tout ça, t'es folle. T'es folle, t'es folle. Regardez-moi tout ça. Donc, elle m'a mis plein de déco en même temps. J'adore. Vraiment, c'est. Je suis époustouflée. Là, vous m'avez. J'ai ma journée qui est complètement. Qui débute très, très bien. Je suis estomaquée. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Ça me touche énormément, les filles. Donc, je vous fais de gros bisous. Un énorme, énorme merci. Vraiment, ça me touche. Vous savez même pas à quel point. Enfin, voilà, moi qui suis fan, c'est des choses qui sont tellement belles. Je vais franchement les accrocher là parce que comme ça, je vais les garder tout le temps avec moi et j'aurai un peu d'Halloween dans l'année. Moi qui regrette à chaque fois mon décor quand je dois l'enlever, je regrette trop.
Donc là, je vais pouvoir garder du petit Halloween avec moi. Franchement, merci beaucoup, beaucoup. Alors, on se retrouve pour le courrier maintenant de Sandrine. Voilà, donc on va regarder ce qu'elle nous a envoyé. Je pense que c'est pour la participation. Ah, bah bien évidemment, j'ai ouvert du mauvais côté. Ah là 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 là. Alors, que va-t-on découvrir? Donc là, il y a du papier bulle pour bien protéger, avec fermé par du washi. Ouh là 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 là. Encore du Halloween. Ouais, je me remonte les manches, hein, parce que c'est... Waouh. Trop beau. En plus, elle a mis plein de petites toiles d'araignée. Ah là là, c'est trop beau. Plein de petites citrouilles. Attendez, parce que je la regarde en même temps. Elle est trop belle. Donc, dans les tons violets... Avec du washi en fond, je vois. Elle a mis des stickers puffy également, celui-ci également. Oh, c'est trop beau. Et elle a mis plein de petites toiles d'araignée avec des petits strass, des demi-perles en strass. Oh là là, c'est trop beau. Oh, trop beau. Fait par Send. Je sais pas si tu dis Send ou Sand. Enfin bon, bah, tu me diras. Donc apparemment, ça lui a fait très plaisir de faire tout ça. Bah déjà, rien que la carte, elle est magnifique. Oh, une petite sucette. Oh, bah c'est ma première que je reçois. Oh, elle est trop mignonne. Enfin, Halloween, parce que je crois que j'en ai reçu une déjà. Oh là là, elle est trop belle. Mais oh, du coup, je... Ah oui, d'accord, c'est du bois. Ok. Parce que du coup, je pensais que c'était des bâtons de sucette et moi, j'arrive pas à en trouver. Donc, c'est des petits bâtons en bois qu'elle est venue recouvrir du coup de... Bah, tu t'amuses, dis donc. Qu'elle est venue recouvrir donc de papier qu'elle a tout entouré en fait autour de la rosace. Donc, toujours avec la petite toile d'araignée, la petite chouette avec le petit nœud et la rosace. C'est super beau. Ah, oh, merci, elle est trop belle. Ah, bah, je vais la mettre à côté de moi. Tous mes trucs Halloween, en fait, je crois que je vais tous les garder. Je vais mettre des étagères, je vais tous les garder. Oh là là. Ah, ça fait... Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est trop bien avec le... en fond les feuilles. Oh, oh là là, c'est trop mignon. Hop. Vous voyez, elle a mis en fond les feuilles. C'est trop sympa. Et comme ça, elle a pu mettre de l'autre côté en même temps. Oh, c'est trop sympa. Ah, j'aime beaucoup. Donc elle m'a mis du washi. Ah bah ça tombe bien parce que j'avais absolument pas de washi Halloween. Donc je te remercie beaucoup. Vu que là je suis en plein dans des junk. Donc merci, ça va beaucoup me servir. Donc là, en feutrine, une citrouille, une araignée. Plein de petits stickers puffy. Et là, en mousse pailletée. Donc des citrouilles et une toile d'araignée. Ah, elles sont super belles. Oh, merci. Et là, cette idée-là, j'adore. Avec les feuilles en fond, c'est génial. C'est une très très bonne idée. J'aurais absolument pas pensé. Comme quoi, hein, c'est... Et là, derrière, elle m'a mis un petit die-cut citrouille. Non, c'est super sympa, l'idée. J'aime beaucoup. Merci. Oula, qu'est-ce que tu m'as fait? Et là, nous avons donc une petite enveloppe. Qu'est-ce que tu... Ah, j'aime bien ces ouvertures. Alors, par contre, faut pas que je me trompe de sens. Non, ça s'ouvre pas comme ça. Je veux pas abîmer. Ah, si. Juste, il faut pas que je me trompe de sens. Follow your dream. Oui. Alors, ah, ça fait une petite. Petite happy mail, je pense. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Oh. Ah, c'est trop beau. Waouh. Magnifique. Alors moi je crochète aussi,
Mais j'arrive pas à trouver des dailles comme ceci et je ne sais pas après comment, dans quel papier tu fais pour pouvoir du coup crocheter. Tu pourras me dire du coup, mais j'adore, c'est trop beau. Oh, elle est trop belle. Oh, regardez-moi ça, elle est trop jolie. Bah alors là, c'est ma première embellissement comme ça au crochet, c'est magnifique. Donc ça doit être du fil coton, du coup c'est le très très fin. Trop beau. Oh, je l'adore. Elle est magnifique. Ensuite, nous avons plein de petits scraps bidules. Donc je vais pas vous ouvrir parce qu'il y a des petites strass dedans, je ne voudrais pas renverser. Il y a des petites fleurs en bois, des petits strass fleurs. Et je vois au fond les petits die-cuts, vous savez, de chez Action, là, automne. Voilà, donc je ne vais pas ouvrir parce que je veux pas tout faire tomber, me connaissant. Oh, mais t'es folle! Oh, m'a mis un die! Oh, bah en plus, je l'ai pas celui-là. Oh, merci beaucoup. Oh, mais fallait pas. Oh, t'es trop folle, merci. En plus, j'ai pas du tout. Bah, franchement, ça tombe très bien parce que, comme je vous dis à chaque fois, j'ai pas beaucoup de trucs sur les feuilles. Donc, les fleurs, les feuilles. C'est pas un thème qui m'inspire des masses, mais en même temps, bah, pour les copinettes qui aiment ça, il faut en faire. Ah bah justement, tu vois, j'étais en train de te dire. Ah, oh, tu m'en as fait. Ah, oh, c'est trop génial. Oh là là, alors là, tu peux pas savoir comme tu m'as rendue heureuse. Oh, la vache. Ah, je vais m'éclater. Ah ouais, c'est excellent. Bon, bah plus qu'à maintenant. Ah, oh, merci. J'étais juste en train de dire, je sais où il faudra que tu me dises. Et puis voilà, ça arrive, dis donc. Transmission de pensée. Ah, oh, je suis trop contente. Alors là, je suis ravie, vraiment. Je vais pouvoir m'y essayer. Ah, oh, j'adore. Il est trop beau celui-là. La gorgeous avec le petit chaton. Celle-ci aussi, dans les couleurs comme ça, elle est trop trop belle. Ça, donc là, donc toujours dans le thème de la lavande, trop beau. Cachemire bouquet. Et là, donc un petit vélo avec des fleurs. Je sais pas, je connais pas les fleurs, hein, donc me demandez pas. mais du coup, des fleurs rouges, pardon, sur un petit vélo, donc ça fait très printanier. Ah, oh là là, c'est trop beau. Ah, oh, je suis trop contente, je vais pouvoir m'y essayer. Ah, je suis ravie. Gros écureuil, il est trop mignon. Je l'ai déjà utilisé, du coup je l'ai plus. Alors merci, il est tellement mignon. En plus, mon père adore les écureuils, donc je lui fais souvent des craies avec. Donc merci bien. Et là, on a une petite enveloppe. Ah non, je veux pas enlever le. Je veux pas abîmer. Qui est fermé par un sticker avec Have a good day. Et là. Ah là là, elle m'a mis plein de découpes. Attendez, je vais décaler ça. Alors, ah cool. Pour le cinéma. Image, scène. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est super ça. Clic. Donc l'appareil photo. Ah génial, ça c'est bien parce que j'ai pas du tout. Et là du coup on a des petits. Alors ça c'est tous les petits les petites bandes qu'il y a à l'intérieur de cette très belle découpe d'ailleurs. Ouais, elle est très jolie. Et du coup là on a tous les petits zigzags. Alors je ne sais pas si je m'amuserai à les remettre, mais pour faire dans la créa avec ça, ouais. Trop bien. Et là, plein de des petits tickets. Des petits tags. Ça tombe bien parce que j'en ai pas des tout petits. Merci. Voilà là. Après, attendez, c'est pas fini. Alors là, on a le masque. Je crois que c'est une découpe de chez Action, celle-ci. Mais je les prends pas forcément, celle-ci. Donc, merci beaucoup. Elle est trop jolie.
Et après, du coup, on peut mettre, bah, on l'agrémente. Oh, trop belle. Et Mickey et Minnie. Ah, merci. Elle est trop belle. Je crois que d'ailleurs, c'est les seuls Disney que je n'ai pas en die. Pourtant, Mickey et Minnie, c'est un thème que tout le monde apprécie, mais moi, je suis pas très très fan d'eux. Mais effectivement, j'ai souvent des cartes pour des anniversaires d'enfants et tout ça, pour des copines bah, qui adorent ce thème-là. Donc, il faut aussi savoir scraper des thèmes que l'on n'aime pas forcément. Bah écoute, Sandrine, je te remercie énormément. Franchement, là, tu m'as rendue trop heureuse déjà rien que parce qu'avec tes créas Halloween, c'est juste magnifique ta carte, la sucette. J'adore la sucette. Et alors là, avec le petit embellissement là, je vais m'éclater. Vraiment, il est trop trop beau. Ça fait tout fin, c'est super beau. Oh, franchement, j'adore. Bah écoute, j'ai tout mis, je vais tout ranger. Mais je te fais un gros bisou, Sandrine. Je te remercie énormément. Je vous remercie toutes, en tous les cas, toutes les quatre, pour votre participation. Franchement, ça me fait tellement chaud au cœur parce que, en fait, ça vient d'un coup, en très peu de temps. Du coup, enfin, voilà, ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup. Et voilà, je commence à créer des liens forts avec certaines personnes et ça me fait énormément plaisir. Et voilà, surtout de partager ensemble une passion bah, qui nous unit, quoi. Donc, surtout en ces temps un peu compliqués, je trouve ça vraiment juste magnifique et ça met du baume au cœur. Donc, je vous remercie énormément et je vous fais plein de gros bisous, mes petits loulous. Bisous!